Je m'appelle Ilham, je suis bénéficiaire de la formation des AVS et l'accompagnatrice de vie, l'auxiliaire de vie scolaire à l'institution Taher Sebti. Certes, avant d'y accéder, donc, je ne connaissais pas ce que c'est que l'AVS. C'est l'abréviation. Donc, mais c'est un long mot. Avant, je ne savais pas ce que c'est, j'avais aucune idée. Mais à l'institution Taher Sebti, j'ai choisi, justement, j'ai entendu trop parler de l'institution, mais quand j'y ai accédé, certes, la formation est trop riche, le domaine est très important. Et autant que marocaine, je ne vais pas parler autant que maman, autant que femme marocaine, mais certes les femmes marocaines sont connues, c'est des femmes combattantes et on aime notre pays. J'avais besoin de cette formation pour encadrer justement toutes ces qualités qu'il y a la femme marocaine vers le bon sens, aider l'enfant qui en a besoin. On parle d'enfant, mais c'est l'avenir du Maroc. Donc ces enfants ont tous le droit, comme nous, justement, on va dire, qui ont des difficultés d'apprentissage. Commençons par l'école, mais on dit que notre métier, c'est l'accompagner au sein de l'école. Mais j'espère qu'on peut l'accompagner au-delà de l'école. C'est pour ça que j'invite les parents, j'invite toute la société, les élèves, l'entourage, tout le monde, justement, pour accompagner c'est nos enfants, c'est des Marocains comme nous. Donc, pour le pays à signer, justement, dans ce sens, il y a beaucoup d'accords dans ce sens. Donc, nous, on doit suivre la politique de notre pays. Et pour le bien. Justement, à l'institution Taher Sebti, avant, quand j'ai accédé, j'avais la chance, justement, de côtoyer ces cas, si on veut dire, entre parenthèses, ces cas. Et j'ai remarqué vraiment qu'il y avait une évolution. Tout au long de... Juste, il y avait 6 mois, mais j'ai remarqué il y a beaucoup d'évolutions. Et je remercie infiniment les personnes qui travaillent dans cette institution. Et les AVS qui travaillent déjà avant moi. Moi, je suis toujours en formation, mais les AVS qui travaillent avant, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualité. J'ai appris beaucoup de choses. C'est ça, la qualité de cette institution. C'est on bénéficie de la formation, mais en même temps, il y a le direct. On contacte les cas, donc on apprend encore beaucoup plus. Si je veux vous parler par exemple d'un cas que j'ai vécu, moi je vais parler des cas justement. La plupart ils sont mes amis, à part par exemple quelques enfants. Avant ils avaient la difficulté de contact, d'interaction on va dire. Maintenant ils sont un nombre assez important, mais ils ont changé. On a beaucoup d'interactions. Sincèrement, je ne sais pas comment je vais faire quand je vais finir la formation. Franchement, ça commence à me faire mal. J'ai les larmes aux yeux parce que je me suis attachée, justement. Chose qu'il ne faut pas, d'abord, les AVS, il ne faut pas. Il ne faut pas oublier que je suis AVS, il ne faut pas trop s'attacher, il faut faire son métier. Mais je vais essayer de faire un petit peu part des sentiments. Mais c'est une très, très, très grande expérience. Je reviens vers la société. Je fais partie de la société. Auparavant, je ne savais pas ce que c'est l'AVS. Donc, j'encourage tout le monde. Il faut s'entraider. Ces enfants, ils ont les mêmes droits que nous. Donc, pour réussir, justement, le Maroc, ce n'est pas que le football. Chacun travaille dans son côté. J'aime beaucoup nos footballeurs, il y a il y a les docteurs, chacun dans son côté. Nous, à nous justement, ces enfants, il ne faut pas les oublier, ils font partie du Maroc. Donc il faut les aider justement, à la maison, l'entourage, toute la société, on est là, on doit être pour eux justement et on doit s'entraider. Et justement, j'ai une demande. Il faut un statut pour ce métier, justement pour ces femmes.
Mais il y a aussi le côté économique. Il y a beaucoup de femmes qui ont trouvé un revenu. Et c'est très, très, très important, justement.